Dans cette vidéo avec Zach Nani et Le Bouzeux, on va devoir affronter 10 joueurs de badminton de plus en plus forts. Ça commence par un débutant qui n'a jamais fait de badminton et ça finit par un ancien joueur professionnel de très haut niveau qui faisait partie des 40 meilleurs joueurs du monde. Notre objectif, c'est de tous les battre et pour ça, il faut réussir à leur mettre un point avec maximum 20 tentatives par joueur, ce qui sera plutôt simple au début mais extrêmement dur sur les joueurs de haut niveau. Celui qui arrive à tous les battre avec le moins de tentatives gagne la vidéo. J'avais déjà fait ce concept avec le ping-pong, le foot et le tennis et là aussi évidemment que vous aimez le badminton ou pas, vous pouvez totalement regarder et kiffer cette vidéo bien sûr. Allez c'est parti, bienvenue dans ce 4e épisode de la grande ascension. Et pour cette vidéo j'ai deux invités exceptionnels. Alors déjà il était là sur le ping-pong, le tennis, évidemment il fallait que je le fasse revenir sur le badminton. Ça me fait super plaisir, merci Lucas de l'invitation. Et mec, avec plaisir, je sais que t'adores les sports de raquettes, ouais, comme ça. Toujours. Alors on a un peu joué avant, tu vas me dire ton palmarès, mais t'étais quand même très chaud. Terrain 1 au bac et c'est tout. Et ça t'a pas fait en club ou quoi? Si, 2 ans quand j'étais en CM2, 6ème, 5ème. Enfin 3 ans du coup. Propre déjà. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et un autre invité exceptionnel que j'adore les gars, je le suis depuis des années sur YouTube, Zach Nani avec nous. Bonjour, bonjour, très content d'être là, ça me fait plaisir. Mec, merci beaucoup. Alors vraiment, je pense que ça fait... T'as commencé sur le sur Plague Option environ. Ouais, c'est ça fait 8 ans. Bah mec, ça fait à peu près depuis là que je te suis, je pense. Vraiment sur les trucs un peu Twitter, les lives, etc. Enfin la compète à l'époque sur Call of et tout. Et vraiment, ça fait trop plaisir de t'avoir sur ma chaîne, ça régale de fou. Franchement, tu m'as proposé le truc de badminton. Moi, le badminton, c'est un sport que j'aime bien. Donc... Alors justement, c'est quoi un peu ton expérience Du coup, j'en faisais pareil comme Bouzy, terrain 1, multiple et consorts. Mais surtout, j'en ai fait en club pendant 2-3 ans aussi quand j'étais plus jeune. Genre à quel âge à peu près Pareil, quand j'avais 13-14 ans, tu vois. Entre 12 et 14 ans, et c'était un truc que j'aimais vraiment bien. Genre, ouais, j'avais fait des compétitions à échelle du Rhône et puis après du Rhône-Alpes, tu vois. Ah ouais, propre. J'étais pas allé jusqu'au national, mais j'étais plutôt pas trop mal. Après, c'était à 14 ans, hein, mais. Oui, c'est petit détail. Mais surtout, j'ai l'impression que tout le monde aime bien le badminton, tu vois. Pas tout le monde en fait en club, mais genre au lycée, tout le monde a adoré en faire. Et c'est aussi pour ça que je me fais cette vidéo, je me dis, tu vois, ça parle un peu à tout le monde, quoi. Non, ça régale. Franchement, t'as choisi le bon sport. Et bah, ça régale. Et là, vous allez voir, justement, on va affronter. Bah, vous connaissez des joueurs de niveau 1 à 10. À la fin, il y a vraiment des très grands cracks en termes de classement. Vous allez voir ça. Je crois qu'on va un peu morfler, les gars. Et bah, écoutez, si vous êtes prêts, on va commencer maintenant avec le niveau 1. C'est évidemment la légende de ces vidéos. On l'accueille maintenant. C'est parti. Bah les gars, le niveau 1, évidemment, la légende Marius qui est parmi nous. Ça va Marius, tu vas bien? Oh, il a l'air chaud. Oh, oh, il te met un coup de pression, il te met un coup de pression. La provoque dès le début, quoi. Avec sa petite raquette, franchement, évidemment, la légende. T'en as déjà fait ou pas du badminton? Pas encore. Mais tu vas voir, je pense que ça va te plaire. Tu seras peut-être un futur champion. Bah si ça dit, on peut jouer ensemble, on fait un premier point, ça te va? Let's go, il a hypé. Allez, c'est parti Marius, c'est le début, les gars. Alors je présente, bien sûr, on a Maximilien, arbitre, spécialiste de bad. Oui, spécialiste depuis 15 ans, pareil. Non, depuis que je t'ai envoyé le message il y a 2 jours pour être arbitre. Ouais. Et ben Marius, si t'es prêt, on peut commencer. J'ai une petite pression quand même, les gars. Ah. Oh, dommage. Alors, bravo Marius. Il y a l'intention. Bon, il y avait une belle intention quand même. Bon, les gars, c'est validé a priori avec le premier point comme ça. Qui veut y aller? Allez, j'y vais. T'es prêt? Allez, Bouzy. Oh, dommage, dommage. Let's go. Je suis même pas sûr que tu connaisses la règle, Marius. Ouais. Allez, Zach. Tu sais que j'ai la pression de me craquer en plus. Et bah, à chaque fois, c'est le point qui met le plus la pression, Marius. Je te jure vraiment. Après, la vidéo, c'est que du bonus pour moi, tu vois. Faut pas craquer un essai là, c'est ça. Marius, est-ce que tu es prêt? Tu veux la balle sur toi? Ou tu l'avais un peu devant? Je rêve que c'est un énorme match. Sur toi? Enfin, Marius, je viens. Oh oui! Oh, dommage! Bravo! Tu vois, je soutiens Marius, je suis avec lui. Je lui demande, tu l'avais sur toi, peut-être revers, coup droit. On verra si t'es comme ça tout à l'heure. On verra. Tu verras, on est un très premier degré quand la vidéo avance. Hein. Merci beaucoup, Marius. Bon, évidemment, c'est toujours un peu dur pour lui de commencer, on va dire. Mais t'es toujours la légende, Marius. Ça nous fait plaisir que tu viennes, toujours dans la bonne humeur et avec l'envie, quoi. Numéro 1 dans nos cœurs. Ah bah, oh, ça c'est beau. Putain, bah, ça c'est beau. Numéro 1 dans nos cœurs. Merci beaucoup, Marius. Et si tu veux, t'as tout le goûter avec tout ce que tu veux. Oh là, tu lui as parlé, là. Attends, il nous sert même pas la main. Un peu de fair play. Marius, viens. Affronter un goûter du niveau 1 à 10. Ouais. Voilà, Marius, ça c'est beau, ça. Point de bravo. Bonhomme. Bravo Marius, bravo. Voilà Marius, voilà mon petit. Merci beaucoup à Marius, on passe au niveau 2 maintenant, c'est parti. Et avant de passer au niveau suivant, je voulais juste vous dire, on est très très bientôt au million d'abonnés sur la chaîne. C'est la dernière ligne droite, là, je reviens pas quand je dis ça. C'est un truc de fou, un vrai rêve de gosse. Donc là maintenant, c'est le moment, je compte sur vous pour vous abonner à fond, bombarder, partager à vos potes et tout. Je sais que vous adorez cette série de vidéos en plus. Et pour le million, je vous prépare une énorme dinguerie, j'ai trop trop hâte. Enfin voilà, merci du fond du cœur à ceux qui s'abonnent, ça fait trop trop plaisir. Et on reprend, c'est parti. Et
On accueille le niveau 2. Salut, comment tu vas? Tu t'appelles comment? Salut, bah moi c'est Chloé. Et c'est quoi ton palmarès un peu au bas de... Bah j'ai fait un an d'AS au collège et c'est tout. AS c'est quoi? C'est Association sportive du collège. L'UNSS de l'époque? Ouais, c'est ça. Ah. Non, mais j'aime bien, c'est une ancienne AS avant on disait. AS. C'était le midi, non? Ouais, voilà, le midi pendant que les autres y mangent, tu ouais. fais du badminton. Ouais, ou le mercredi de temps en temps. Et ouais, l'AS mon gars. Chloé avant elle a fait son. Elle a été sur APB, pas sur Parcoursup. Ah, bien sûr. Elle a passé son B2I. Je sais pas c'est quoi. Et bah écoutez les gars, qui veut commencer à l'affronter? Je veux y aller, Bouzy, ouais, Zach, comme tu veux. Comme tu veux, j'y vais. Tu vas? Allez, c'est parti. Est-ce qu'à l'époque vous faisiez ça aussi? Oui. Bien sûr. Bah, bien sûr. C'est à moi. Tout match qui se respecte commence de cette manière, monsieur. On précise, c'est à chaque fois nous qui servons comme au tennis dans la vidéo à l'époque. À l'époque, il y a 2 mois quoi. Allez. Allez, Bouzy. Là, il y a des renvois déjà. Oh, attention au petit bois là. Oh là là. Dommage. Let's go. Attends, j'ai une petite frayeur là. Oh, le réflexe. Bien joué, Chloé. Et bah, nickel, bah bravo, Bouzy. Tu veux y aller, Zach? Allez, j'y vais. Tu y vas? Allez. Tu es prête? Ouais. Oh, ça part bien. Pourquoi pas un smash dès le début? Oh, ça arrive même au meilleur. Petit raté. Il a hésité entre être gentil ou smatcher, et du coup, ça a fait ça. Je te jure qu'à un moment, j'ai un peu essayé de. Ça se voit dans ta tête, on y va. Zach, t'es trop gentil dans ce monde. Ça va bien, c'est bien. Bon, un petit point de retard, ça va. Tranquille. Maintenant, j'ai la pression, les gars. Autant, je vais mettre 20 essais pour lui servir. Avec Chloé. On compte sur toi. T'es un bâtard. On est d'accord, c'est bon là, quoi, c'est derrière ou pas? C'est rentré. Let's go, bon ouais. Bien joué, Lucas. C'est un ace ou pas au badminton? Ouais, c'est un ace. Et bah, les gars, je suis un peu content, j'avoue. Bah, bien joué, Chloé. Merci, Chloé, en tout cas. Bah, attends, elle est partie. Bah, merci beaucoup, Chloé. Reste comme t'es. Et on passe au niveau 3, les gars, si vous êtes chaud. C'est parti maintenant. Let's go. Et eh ben, on a que les niveaux 3, tu t'appelles comment? Anouk. Anouk, et eh ben Anouk, c'est quoi un peu ton palmarès en bad? J'en ai fait hier. Ah oui, d'accord. C'est pas mal, c'est déjà mieux que nous. Hein. J'en ai fait pendant un an, il y a quelques temps. En club? Au lycée. C'est quoi quelques temps en gros? C'est il y a 2-3 ans. Ça va, c'était okay, c'est il y a pas si longtemps, c'est plus récent. Ouais. Donc ça peut largement bien jouer quoi. Et t'en as fait hier aussi? Je me suis entraîné. Prévision de la vidéo. Ah ouais, c'est fort quand même. Alors je tiens à dire les gars, moi aussi, je vais être honnête. Mercredi dernier, j'ai fait une heure de bad avec un pote. J'ai loué un terrain. Je suis désolé. Okay. Alors je suis désolé. Ce genre d'état d'esprit quoi. Ouais, alors je suis désolé parce que j'avais peur d'être trop rincé, tu vois. Ok. Et je me suis dit, bon, moi je m'entraîne un peu quoi. Voilà, je préfère être honnête. Non, mais le carnet de notes se remplit au fur et à mesure. Je prends des notes. Je suis désolé. Et bah écoute, allez, c'est parti. Anouk, t'es ready? Oui. Allez! Efficace. C'est le premier point, c'est tranquille. Allez, j'y vais. Allez, Lucas. Oh, Lucas. Faut pas stresser. Hein. Je stresse, me dis pas ça. Oh, attends, mais c'est Roland Garros là! Oh oui! C'est beau avec des échanges comme ça! Des beaux échanges et tout, c'est trop. J'aurais rêvé de faire ça il y a 10 ans sur Black Ops 2. Au début, t'affrontes un gosse de 5 ans et à la fin, tu fais par Gotaga. Après, t'affrontes Gotaga, ouais. Bah, Gotaga, il te casse bien la gueule. Hein. C'est un gamin, il est en. Et la grosse match. Oh, ça passe direct! Dommage! Et bah, ça commence bien, les gars. Et bah, nickel. Bien joué, Bouzy, merci Anouk! Merci beaucoup, hein. Et bah, peut-être que c'est des gens aussi qui redécouvrent des passions pour le bad, tu vois. Attends, on l'a rejoué un peu. T'as envie de dire jouer maintenant au bad ou pas? Ah non, là, ça m'a. Ah, dégoûté direct. Non, en vrai, oui. Ah bah, ça marche, ça régale alors. On parle là-dessus aussi. Et bah, écoutez, les gars, ça va commencer, je pense, à devenir un peu plus sérieux que le niveau 4 maintenant. On accueille dessus, vous êtes chaud? Ouais. Et bah, c'est parti, niveau 4. Générique. Déjà, Lucas, je vois un truc là. Tu l'as repéré? Je l'ai repéré. Hein. Comme au tennis. Hein. Pour moi, c'est sérieux quand je vois ça. Pourquoi? Rade, ça éponge la sueur là, le truc là. Ah. Ça, c'est des trucs de pro ça. C'est juste que je sue énormément. Ouais, mais quand même, il y a l'investissement, tu vois. T'as acheté ça. Après, vu que tu vas faire que 2 coups, ça va, tu vas sueur. Alors, Frodo, tu t'appelles comment? Benoît. Benoît, et tu t'en fais depuis combien de temps du bad? Depuis 2 ans, crise de la trentaine, je me suis dit, allez, il faut que je fasse un sport et je me suis mis au bad là depuis 2 ans. Donc là, on est sur quelqu'un d'actif. 2 ans au club là? Non, en loisir. En loisir avec les copains comme ça. Attends, mais tous les combien de temps? Parce que 2 ans, ça dépend. Toutes les semaines. Histoire de décrasser. Hebdomadaire, ah ouais. Hebdomadaire depuis 2 ans. Je pars de loin, mais j'ai essayé de vite progresser pour m'amuser un peu, quoi. Du coup, tu y vas? Eh bah, vas-y, avec plaisir. Eh bah, tiens, Lucas. T'as des super chaussettes, frérot, au passage. Hein. Là, je peux me faire fumer très vite. Hein. On sent que c'est sérieux, là. Allez, bah, bon courage, frérot. Allez. Oh. Oh. Ah, il est gentil, il t'envoie des. Oh, l'erreur! Le premier essai! Oh non, c'est terrible, ça. Alors, Lucas, comme ça, on tremble? Ouais, totalement, là. Oh oui. Il est vrai patate là. Ouh. Oh là là, Lucas. Lucas mort au niveau 4. Et en plus d'être très proche de moi, je me sens jugé très vite, tu vois. On te met la pression, je te dis. Regardez ailleurs si vous n'en pas. Vas-y. Oh. Oh là. Petit amorti. Oh oui. Oh, ça sort.
Oh, ça sort, merci beaucoup, Loire. Il te fait courir. Bravo, frérot, t'as mes yeux en sueur, tu vois. Qui veut y aller, les gars? Allez, vas-y, vas-y, va, Bouzy. Allez, j'y vais. T'es prêt? Moi, ouais, quoi. Oh, oh là là. Oh, le cacamou. Oh non, Bouzy. C'était la petite balle d'échauffe, les gars, non? Bah oui, c'était une petite balle d'échauffe. Y'a pas de deuxième service, on précise au bas de cam. Ouais, ça c'est bon ça. Oh, oh là 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 là. Et là, la dose de premier degré qui arrive ou pas là? Ouais, là c'est bon. Ouais, il l'a eu là. Là, tu vois, ça, mon cœur il commence à battre. Oh, ça parle français là aussi, Zach. Oh là là. Il se bat. Ah, ça sort dommage. Ça sort dommage. La petite glissade, ça aussi, c'est professionnel ça. Non, faut se remettre dedans là, faut se remettre dedans, tu vois, physiquement. Le bad, c'est un sport qui demande beaucoup sur les appuis. Oh, de fou. Oh, y a un coup de douleur. Dommage. Une petite faute, petite faute. Un vrai niveau 4, ça. Ça, je reconnais ça. Tu vois, dans la rue, j'aurais reconnu que c'est un niveau 4 direct. Oh, dommage. Bien joué. Ça va. Propre. Attends, t'as mis 3 essais? Ouais, j'ai fait 2 erreurs de faute. 2 erreurs, bah pareil. On est en bleu, on est peut-être frères, exact, les gars. Merci beaucoup. Merci frérot. Et puis continue le bad, hein. C'est bien, hein. Ouais, c'est trop cool. Hein. T'arrêtes pas. Hein. Lâche pas le bad. Lâche surtout pas. Hein. Et bah les gars, niveau 4, ça a commencé un peu plus à se corser là. Ouais, mais on aime bien, tu vois, là, il y a des petits échanges, des petits bien machins. Mais ce qui est dur pour eux, c'est qu'ils ont 0 vie, c'est-à-dire dès qu'ils perdent le point, ils sont foutus. Ouais, ouais. Techniquement, là, si on veut faire un truc, il y a 2-1 pour lui. Bah oui, on perd un match, je pense. Bon, on accueille les niveaux 5 maintenant. C'est parti. Tu t'appelles Jade. Alors Jade, comment tu vas? Quel est ton palmarès au badminton? Ah, ils ont une très belle raquette déjà là. Elle est fluo, je suis un peu jaloux. Elle a payé le DLC en même temps. Quand les gens prennent le temps de customiser leur truc, c'est que c'est des joueurs sérieux. Ouais, ouais. C'est comme s'il y avait une scuff à l'époque, ouais, c'est un peu l'équivalent, tu vois. C'est ça, c'est ça. Tu sais que je n'ai jamais eu de scuff. Ça a toujours été un mec, ça a toujours été un de mes manques dans ma vie. Tu sais, je crois que j'ai joué contre toi une fois sur Black Ops 2, genre. Attends, mais c'est un souvenir qui me remonte là en disant quand ça. En compétition ou en public? Non, mais je pense, tu sais, t'as invité des abonnés sur Twitter, un truc comme ça. Bah, c'est vrai que je le faisais souvent. Mais mec, je pense, j'ai dû faire un truc comme ça. C'est possible, c'est possible. T'as Lucas qui était dans un de mes lobbies et 10 ans après on joue au bad. Incroyable. Jade, c'est quoi ton palmarès? Alors, ça fait 5 ans que je fais du badminton. J'ai fait quelques compétitions au début, mais Covid, donc les compétitions après, il n'y en avait plus trop. Bon, cette année, j'en ai pas trop fait, donc... Jade, c'est quoi ton bouton pour cheater là sur le bras là? À gauche, c'est un capteur de glycémie et à droite, c'est une pompe à insuline parce que je suis diabétique de type 1. Du coup, je suis venue aussi pour représenter la JD. Donc, c'est une association d'aide aux jeunes diabétiques qui organise des luttes contre les discriminations, cool. Qui organise comme aujourd'hui pour sensibiliser au diabète de type 1 et ses symptômes. Donc voilà, c'est pas... Donc je suis diabétique de type 1, mais je peux faire du sport. Tu vas montrer que tu nous fumes, voilà, c'est ça. Tu vas montrer que tu peux nous fumer largement comme ça. Ouais. Peut-être. Et bah merci d'avoir fait passer le message, c'est trop cool en tout cas. Génial. Et bah qui veut commencer les gars? Bouzy, je vais vous montrer comment ça se passe. Bouzy veut commencer à chaque fois, ça se sent. Par contre, on a un vrai truc de pro les gars, c'est ces serviettes à côté là. Là, j'en avais pas ça dans les épisodes précédents, tu vois. Là, bon, ça montre qu'on va suivre là. Bouzy, faut régler la mire. C'est l'aide ça, non? Non, ça passe pas comme ça là. Putain, à chaque fois. Max, tu t'amuses en tant qu'arbitre, non? Ah, je kiffe. Oh oui. Oh là 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 là. Ah oui. Ok. Eh, hey, Bouzy, ouais. Je t'ai dit, elle est forte. Je t'ai dit, elle est forte. Ok. Ah oh, ouais, ça rigole pas là. Oui. Oh, ça passe! Dommage! Oh, c'est passé. Bien joué, Jade! Oh putain, j'aurais pas pensé qu'il les mettrait en si peu d'essais, tu vois. Bien joué? Bah ouais, bien joué. T'as regardé avec Zach, on sait pas qui va. Tu vas. Oh, brise la glace! Bon, après, t'as mis un petit smash de zinzin avant là. Ouais. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Zach, qui les aime, c'est volant, on le sait. Oh, ça passe aussi direct! Ça passe direct oh, pour Zach, GG. Hein. On a pas perdu de vie. Par contre, t'es tente, Jade. T'as vu? Allez, n'hésite pas à se matcher, tenter des choses, amorti. C'est ça, c'est le niveau 5, gros. Les gars, vous savez pourquoi il faut jamais verser de whisky là-dessus? Pourquoi? Parce que pas d'alcool au volant. Il l'a préparé en amont. Non. Il l'a préparé il y a 3 jours. Non. J'ai réfléchi sur le banc là. J'ai gagné un point pour ça ou pas? Non. Vas-y, ça marche. Allez, bon bah, salut Jade. Voilà, le massacre là. Oh, ça passe. Oh, dommage. Oh, ça passe. Bah, un petit peu de réussite. Ouais, clairement de la chance de fou là. Bravo. Bien joué Jade. Bien joué à toi. Bien joué Jade. Bravo Jade. Merci. Et merci d'être venu pour faire passer ce message avec plaisir. Bah, merci à toi de m'inviter. Et bon courage dans la suite du bad. Massacre tout le monde. C'est une belle morale. C'est une belle morale. T'es bon, t'es inspiré aujourd'hui. Et bah écoutez les gars, niveau 6, on va commencer là à arriver bah, les gros niveaux a priori. Petit récap des points quand même les gars avant. Est-ce qu'on peut regarder? Lucas, tu es à 7. Et Zach et Bouzeux, vous êtes à 8. On a perdu 8 vies au total depuis le début. Ouais, mais en fait, quand tu gagnes sur ton premier coup, c'est 1 point. Attends, je suis à 7, moi, je suis premier pour l'instant. Non mais, hey, on l'a vu dans les autres vidéos, ça se joue vraiment au niveau 7, 8, 9, 10. Et bah écoutez les gars, on passe au niveau 6 maintenant, c'est parti. Et
donc le niveau 6, salut, comment tu t'appelles? Marine. Non, je te jure, je sens une adresse, une assurance chez cette personne qui est inquiétante. Calmons-nous direct en fait. Marine, déjà t'as pas un espèce de bracelet de vas-y j'ai fait un championnat de France de bad ou je sais pas quoi? Pas du tout, c'est mon club. Ah c'est déjà pas mal. Donc on est sur quelqu'un qui est en club là, voilà. Déjà. Et donc c'est quoi du coup ton club? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je suis au Stade Français, ça fait 10 ans que je fais du bad, mais j'ai vraiment un entraîneur depuis 2 ans. Au Stade Français, c'est-à-dire au Stade Français? Stade Français, là où il y a le rugby et tout ça, je fais du bad. C'est un club de bad aussi de Stade Français? En général, les clubs ils sont un peu omnisports. Voilà, c'est ça. Ah oui, propre. Et depuis 10 ans? Ouais, mais c'était en famille avant, et là depuis 2 ans, c'est vraiment avec un entraîneur. Quoi. C'est comment le classement au badminton? Bah, on commence par P12, P11, P10, D9, D8, D7, puis après R, N. Attends, mais pourquoi c'est pourquoi ces classements comme ça? C'est, ah oui, c'est la meilleure lettre, c'est A, c'est quand t'es en A, c'est mieux. Tu me poses trop de questions. Ok, bah cool. C'est une facture. Moi, je suis D7, D8. D7, D8. Départemental. Ok, c'est compliqué leur truc. C'est une bataille navale ou quoi? Oui. J'ai préparé un peu ça. Je suis chaud de commencer. Vas-y, t'es chaud? Bah vas-y, ouais. Nickel. Allez, Zach, bien, bon courage. Et bah, bon courage à toi. Il est intimidé là, Zach, ça se voit. Allez, hop. Oh, le réflexe de Zach de fou. Oh, le point de zinzin qu'il nous a fait là. Ah, je t'avais vu, t'es. Je suis stressé, je suis pas sereine là. Moi aussi, je suis stressé. Ah ouais, mais là. Note bien, hein. Ouais, note. Hein. Oh, Marine. Attends, mais en plus, ça fait un renvoi de fou. Oula. Oh, c'est propre. C'est dommage. Oh, c'est propre. Let's go. C'est lui, c'est sa chaîne YouTube, faut que tu le... Massacre après. Bah merci, merci les gars, c'est le plaisir. T'as la pression, Lucas. Ah bah là, ouais. Peut-être juste, les gars, qu'on est fort, en vrai. Ah, bah oui, on est trop bon. Bah c'est juste qu'on est habitué à être en vidéo et en face, non. Vous êtes side aussi. Voilà. Oh, joli réflexe. Ah, oui. Oui. Pas de cadeau, Lucas, pas de cadeau contre Marine. Hein. FC Marine. FC Marine ici tous les jours. Remets un point, je viens m'asseoir de ton côté. Oh, mais... Non mais bon. FC Marine tous les jours. Et bah cool. On commence à imaginer des chants. Genre on fait Marine. Marine. Merci ouais. Les frérots. Pourquoi ils faisaient pas ça? Je les aimais bien en fait. Marine elle m'aime pas. Elle déteste mes vidéos en fait. T'es en train de te faire terminer. C'est avant le rebond. Hein. Attends les gars, vous la connaissez, c'est votre sœur, non? Ouais, c'est ma cousine. Ah d'accord, ok. Merci Marine d'être venue, en tout cas, c'est Lucas, tu passes un bon moment, là. Ouais, c'est cool. Attends, mais ouais. J'ai pas signé pour ça, moi. Je suis dans le fan club, là. 5, peut-être 6. Oh oui. Allez, on restera à 5. Et en plus, tu vois, ce qui est frustrant en vrai, tu connais Bouzy sur les autres épisodes, c'est que là, tu vois, j'ai marqué, mais en faisant de la merde, tu vois. Juste, elle a fait une faute et c'est presque un peu rageant, tu vois. Donc, bah, déjà, bravo. Non, bah, bravo à vous, hein, franchement. En vrai, le bad, je sais pas si vous avez déjà vu un peu des compètes à la télé ou quoi, mais tu sais, quand tu vois trop. Des points comme ça, ils s'allument voilà. Trop. Et là, j'ai l'impression d'avoir vécu ça, tu vois. J'étais vraiment dans la télé, quoi. Et bah, bravo, ça t'aimerais bien en faire, toi, en termes de joueuse professionnelle. C'est quoi ton goal un peu? Ah non, c'est juste de me détendre, hein. Mais sérieusement, quand même. Bah, de me détendre, quoi, je tape, quoi. De tendre les adversaires, quoi. C'est détendu face voilà. À toi, tu vois, t'es bien détendu. Ça m'a fait du bien. Merci Marine. Merci Marine. Alors là, le 7, j'ai peur. Ah, le 7, ça va être on très sérieux. On peut faire un petit point classement juste à tout hasard. Alors Max. Ils sont à 9 tous les deux et toi, tu es passé à 13. Ah ouais, 13, c'est chaud. Mais ça se remonte facilement. Ça se remonte. Et bah écoutez les gars, on passe au niveau 7 maintenant. C'est parti. Salut frérot, comment tu t'appelles? Hello, moi c'est Tom. Ah Tom, inspection des poignets, est-ce que t'as un truc J'ai rien. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure, je me suis dit j'aurais peut-être dû prendre un truc, parce que ça fait peur à Bouzy a priori. Mais il a des vraies chaussures, hein. Il a des vraies chaussures de bad. Ah oui, ça c'est vrai que ça fait déjà la diff un peu là. Et il joue avec une montre, il a pas peur. Alors frérot, c'est quoi ton niveau, ton palmarès? Moi je suis. En fait, il y a trois classements en badminton, t'as le simple, le double et le mixte. Moi je suis 5, donc R5 en simple, R6 en double et D7 en mixte. Et t'as fait depuis combien de temps? 10 ans. Ok. En club Ouais, en club. Niveau 7, c'est un mec qui en fait déjà depuis 10 ans en club, mais c'est quoi le niveau 8? Ah bah, tu vas voir, c'est un truc de zinzin. Tu veux affronter qui en premier? Tiens, tu choisis. Allez, Bouzy. Allez, Bouzy. Il s'est dit, vas-y, je vais lui mettre ça branlé vite fait. Et après, on passe au suivant. Et là, il va mettre en un point. Je vais faire 20 essais, moi. Oh oui. Et tu vois, en plus, t'as l'impression qu'il est vraiment serein. Lui, il transpire pas à la fin du service, tu vois. Non, ça commence chaud. Ok, non mais ok, le temps que je me chauffe. Merci, Bouzy, d'être venu depuis Rennes. Hein. Oh, elle sort! Elle sort! Et c'est comme ça que attends, mais j'ai fait la prise en pleine gueule! Je fais ça! Lucas, tu veux y aller en deux? Bah, je sais pas, tu choisis, hein. Vas-y. Oh, bah, mince. Allez, va. Ok, cool. Oh là là là, il t'a animé, gros. Oh la chatte que t'as eu. Ouais, je prends ça dans l'œil, je suis pas mal. Oh, Lucas, la tentative de feinte. Oh, belle! Oh, dommage! Dommage! Là, le réflexe, là, le réflexe. Non, en fait, c'est que la balle, elle va sur le maracat, hein. Sinon, j'ai pas le réflexe.
C'est impressionnant ou pas ce que Lucas, je crois que t'es encore parti pour un bon moment là. Profitez bien les gars, si vous voulez, il y a un espace détente là-bas si vous voulez. Non mais en fait, si tu restes comme un piqué, il va te l'envoyer dans un endroit et après... Tu es dans la merde. Oh, belle ça Lucas. Aïe. Je suis content que ça passe là. Mais ça à quoi cette ligne du coup si t'as le droit de tirer ici? C'est pour les doubles non? C'est en double. En fait, en double au service, c'est la première ligne en fond de court. Ah d'accord. Ça m'a perturbé depuis. C'est pour ça que j'étais nul en fait, je pensais à ça. Attends, mais Zach, tu rigoles, mais il sera vraiment chaud contre toi. Bah, je sais, et moi je vais être pas chaud, mais attends, faites-moi, moi je profite de l'instant présent. Le futur, c'est pour plus tard. Oh, elle était peut-être dehors. Ouais, c'est ce que je me disais. Oh, elle est belle. Elle y est? Non. Elle est ligne. Elle y est? Oh, let's go. Oh, bien joué. Oh, bravo, frérot. Putain. Oh, c'était gueule à force à toi, Zach. Hein. Allez, Zach. En vrai, je trouve que, contrairement aux autres sports, c'est là vraiment, je peux te faire fumer, quoi. Ouais. Là, je peux rien faire. Toi, t'envoies des patates, toi. Aïe. Là on va rigoler Zach, là on va rigoler. Rigoler, y'a pas de soucis, j'accepte. Moi je rigole des autres, j'accepte qu'on rigole de moi, y'a pas de problème. Ah, oh, dommage. Bien tenté ça. C'est propre. Boss match en tout cas, ça part bien quoi. Je rêve qu'après cette vidéo, des gens s'inscrivent au bad, tu sais, ça leur donne envie. Oh, dommage. J'ai hésité à reprendre, je me disais qu'elle sortait peut-être. Et Zach il est allé sur ses revers, t'as vu. Il serre en revers, c'est la première fois qu'on fait ça. Oh, bien vu. Oh, bien joué, propre. Ah ouais. Bien joué, Zach. Pas mal. Ah ouais, très propre, là. Et tu sers bien, en fait, à chaque fois. T'as la bonne technique au service. Bien joué, mec. Bravo, frérot, là. Tu m'as bien fumé aussi. Eh ben, merci, frérot. Alors, toi, c'est quoi la suite? T'aimerais faire quoi? Joueur pro aussi ou c'est quoi? Non, bah, je suis trop vieux maintenant pour faire joueur pro. Pourquoi t'as quel âge? J'ai 25 ans. Ah, moi, 24 ans, c'est trop tard aussi, là. Ouais, c'est un peu tard. Non, mais après, en tennis, y a moyen. Ok, bah, vas-y, je m'en remets. Ou alors en senior, c'est quand t'auras vieilli un peu. Ça s'appelle vétéran. Ouais, tu peux tenter vétéran. Franchement, tu te mets maintenant, tu t'entends vétéran à 35 ans. Je vais continuer YouTube, je pense. 35 ans, il y a un rendez-vous qui est pris. Hein. T'as un objectif sur 10 ans. Et bah, les gars, on fait volume 2 dans 11 ans. Les gars, vous revenez aussi, vous. Et on fume tout le monde, ok. Ça me va. Merci, frérot, en tout cas. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Lucas, toi, tu as 20. Bouzy, 12. Et Zach, 13. Ah ouais, on est Bouzy devant, mais ça se voit rien. 12, 13, 20. Déjà, le niveau 7, c'était très, très solide. Alors, niveau 8, on l'accueille maintenant. Ça va pas rigoler du tout. C'est parti. Bonjour. Salut. Tu veux saluer tes victimes? Comment tu t'appelles, frérot? Je m'appelle Mathis, je vais avoir 22 ans bah, demain. Oh, incroyable. Quel est ton palmarès, ton niveau en bad? Petite anecdote, je suis classé National 3. Ok. Donc N3, ça fait une douzaine d'années que je fais du badminton, avec une fréquence à 3-4 entraînements par semaine. Ah, ok. Et quand tu dis douzaine d'années, tu sais que ça fait 15 en vrai, oui, tu vois. Il n'ose pas le dire, quoi, d'accord. T'as déjà gagné des tournois, j'imagine, des trucs comme ça, tu fais des tournois à l'échelle nationale? Donc je fais, non, à l'échelle nationale, petite échelle nationale, on va dire, et grande échelle régionale. Et j'en fais à peu près, ouais, tous les week-ends ou t'es tous les un week-end sur deux. Et ben, je pense que tu vas être très très chaud, frérot. Tu veux commencer par qui, toi, si tu choisis? Je vais commencer par Zach. Allez. Aïe, aïe, et bah, bon courage, Zach. Aïe. Tu vas nous présenter. Le bourreau choisit sa victime. Oh, j'ai hâte. Pour moi, c'est du cinéma, là. Je rate ça en 4DX, hein. Je sens que je vais prendre un 10 points, gros, ça va être fatal. 10, il est optimiste. T'as vu le bruit de sa raquette quand ça touche le volant? Non, ça fait quoi? Ça fait un autre bruit, là. C'est plus pareil. On l'accuse de dopage. Ah oui, c'est vrai, ça fait un petit bruit tout sympa. Le bois. Je pense qu'elle est vraiment tendue de fou. Ta raquette, elle est vraiment tendue, non? Tendue à 14, ouais. 14? Ah ouais, 14. C'est ça, super. La fausse réaction. Ah ouais, nous c'est des raquettes Intermarché, gros. Ah oui. T'as vu, il joue calme en plus. Il a un BPM très bas. Oh, y a l'aide là ou quoi? Non mais... Ah dommage. Y a pas de l'aide comme ça? Du moment qu'elle passe derrière la ligne de service, c'est ok. On te fait confiance. Ouais, 12 ans je crois qu'il connaît. On a rien à dire. T'as vu comme il joue calme, en fait il veut pas faire de faute, tu vois, tu le sens. Merde. Oh ouais, c'est finalement. Celle-là était dure. C'est un amorti cadeau, ça. Ça va à quelle vitesse quand tu fais un gros match au bad? Aucune idée, mais les joueurs professionnels, ça peut aller jusqu'à 400 km/h à peu près. 400? Non. Ah oui, à l'impact. À l'impact, ouais, à l'impact. 400. C'est Paris-Marseille en... Oh, bien joué. Yes, ça va. Ah bah bravo. Bien joué. Ah ouais, c'est pas si mal, hein, ce que t'as fait. Hein. Tu veux qui en prochaine victime? Je vais prendre Lucas. Allez, Lucas. Allez. Le meilleur pour la fin. Là, les gars, je vais créer la surprise. Oh, oh dommage. T'étais pas loin. C'est bien de tenter des choses comme ça. Merci les gars. Ah oui. Elle est bonne, je m'en rends pas compte. Ah oui, elle est bonne. Ah oui, okay. En fait, pour te dire, c'est pour ça que je serre comme je serre, parce que c'est tendu, ça évite de se prendre un... ce que tu... Déjà, tu commences, c'est-à-dire tu serres à basse... En gros, tu serres tendu, donc du coup, ça fait qu'il peut pas t'envoyer un missile nucléaire comme tu viens de prendre. Ok. Oui, après, c'est dur à faire, mais... Attends, c'est comme ça, regarde. Tac, tu laisses tomber et je fais comme ça. Voilà, exactement. Oh putain, incroyable, petit code. Ok, bon. Cool.
Là, c'était 500 km/h, là, c'est combien, là? Mais tu vois, au moins, il t'envoie pas un smash direct après le service. Ouais, c'est une bonne astuce de fou, ça. Ok, cool. Si, ça va. Ça, par contre, tu vois, c'est, il me l'a fait tout à l'heure, ça. Le bot, c'est flagrant, tu peux, il y a vraiment un niveau où tu peux rien faire, quoi. Allez, tu vas y arriver. Pas mal. Là, t'es pas mal. Allez, Lucas. Je vais attendre au smash. Il se joue de toi. Ah, c'était tendu. Ok, cool. Oh, les manches. Bon, on reste en contact, frérot. Il a le contre. Il a le contre de ce qu'on fait. Ok, cool. Nice. C'est impossible. C'est impossible. Eh hey, gros, j'ai vu une sifflante passer ici. C'est pas du badminton, ça. Je refuse. Hein. On est sur combien, là? Là, c'est le 10e essai, là. Ah ouais, ça passe vite, quand même. Hein. Allez, t'en reste 10, Lucas. Oh, pas mal. Oh, non. Non, non. T'avais le truc, t'avais l'avantage. T'étais pas mal, t'étais pas loin, mon gars, Lucas. Oh, je suis deg. Allez, tu tiens le bon bout, tu tiens le bon bout. Eh, hey, Lucas, la zone rouge, elle approche. Oh oui, elle sort. Ouh, elle tape dehors. Oh, elle est sortie. Oh, ce point était dégueulasse, ignoble, mais je l'adore. Ah, mais bravo, frère. Ah, mais c'est vrai qu'il y a ce bousier. Eh oui. Bravo, Lucas. Il t'a fallu que 190 essais. Mais tu sais, pareil, c'est moche. Je suis trop deg, tu vois. Je suis pas satisfait de moi, tu vois. Mais moi aussi, j'ai eu ça et j'ai bien profité. Je le laisse un peu refroidir parce qu'il m'a l'air trop chaud là. Attends, comme ça? Ouais. Ah, c'est vraiment une dinguerie tout ça, tout ça. Bah oui. Bon. Et encore, faut l'envoyer un peu plus tendu. Et là, ouais. T'es vraiment pas mal, tu vois. Ça t'évite de te prendre ce que tu prends. Là, j'ai l'impression qu'il faut servir loin, en fait. Plus ça loin, mieux c'est. Oh. Papa. Pas mal. Oui, oui, let's go. Bien joué, Bouzy. Ah, franchement, t'as été bouillant. Bien joué, les gars. Bien joué, mec. Je me rends pas compte, du coup, si je passe pour une merde ou pas, moi. Non, ça va, tu t'en sors bien, quand même. Ben, je pense que j'ai un peu chaté, parce qu'il voulait... Là, j'étais battu. Ah, après, les trois, on a gagné sur une faute. Eh ben, bravo, frérot. Ben, merci à vous. Et bonne continuation, après. Merci, quel crack. On peut se faire un petit récap, là, ou pas? Bouzy, t'as 14, Zach, 19, et Lucas, 33. Tout va se jouer dans les derniers, dans les deux derniers. Eh ben, les gars, on passe au niveau 9. Ça va être un truc de fou. C'est parti. Alors, Bouzy, tu sais ce qu'on va dire sur lui déjà? Bah déjà, oui, je le sais direct, il a pas le maillot comme on lui donne, donc ça veut dire qu'il est sponsorisé. Exactement, ça veut dire qu'il est chaud. Alors frérot, comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Thibaut. Thibaut, et alors déjà, donc t'es un sponsor, c'est ça? C'est ça, FZ Forza. Et donc c'est quoi ton niveau, ton palmarès? Ça fait 11 ans que je joue, je suis double champion d'Europe par équipe. Oui, d'accord. Et là, je suis actuellement champion de France en mixte en ce moment-là. Et t'as quel âge? J'ai 16 ans. Ça fait 11 ans que tu joues? Ça fait 11 ans que je joue. Donc à 5 ans... C'est ça. Attends, mais attends. T'as 16 ans, tu fais ma taille, je fais 1m87, mais c'est... Quel genre de prototype de monstre, là? Bah, on va le voir, je pense, qu'il va voir sur le terrain. Déjà, une blessure grave ou pas? Jamais. Ce qui est courant en bas, c'est les croisés, c'est ça? Il y a ça, il y a la cheville. Moi, je risque rien à mon niveau, je crois que ça va. Toi, ça va, toi, tu sers et... c'est tout, quoi. Quelqu'un veut commencer déjà ou pas, Log? Non. Ouais, si. Moi, je peux si vous voulez, mais... Vas-y, va. Allez, va, Bouzy, va. Là, ça va être sérieux. Bon courage, frérot. Je vous être en dernier, c'est trop stressant. Oh, champion d'Europe. Moi, j'ai terrain 1 à monter des centres au lycée, c'est sûr. Bouzy, c'est parti. Oh. Mais non, c'est pas possible. Elle est dehors? Je crois qu'elle est dehors, gros. Elle est dehors? Oh, je suis une fraude. Je suis la pire fraude de cette vidéo. C'est abusé. C'est abusé. Ce sport est magnifique et cruel à la fois, je crois. Et moi, par contre, ça n'a pas de ça. Hein. Après, j'ai eu les couilles de la laisser tomber. C'est vrai. Let's go. Ah. Oh, dommage. Oh, dommage, mais on sentait qu'il y avait un truc à faire, là. Ça arrive, Zosa, qui me prend les... C'était ça, 400 km/h, c'est... Elle est où? Elle a cassé le mur là, tu verras, elle est derrière là. C'est un moment compliqué. T'as fait quoi là? J'ai une fixation. Une quoi t'as fait? Une fixation. Non, il a fait un truc de ouf, genre ça m'a feinté de... Mais comment ça fait? Comme ça. Oh, le bâtard. Non. Non, c'est dans le volant qu'il faut tirer, Zach. J'ai été ébloui. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il va être un beau smash, c'est ça, comme ma vie. Oh, ça passe! Aïe, aïe, aïe. Oh, ça passe. Oh, c'est propre, en vrai. Bien joué! Ah, bravo. Bien joué. C'est un beau point construit, ça. Ouais, je suis content. Pas de la chatte comme moi. Et là, il se frotte les mains, il sait qu'il va s'y faire plaisir, là. Allez, Lucas, bon courage. Merci, Lyon. Oh, beau réflexe. Oh, ça aurait pu. Très joli réflexe. Ouais, Rad Marius qui me supporte derrière. On est en bleu sang, frérot. C'est cool. Allez, Lucas. On va essayer de faire une fixation, tu vas voir, là. Ok, cool. Dis-toi, Lucas, t'es un peu son Marius. Ouais, c'est ça. Qui sont niveau 1 pour lui.
Oh, Lucas! Bravo! Ah bah putain, merci les gars. Bravo, bravo. Faut redire ça, c'est qu'évidemment, dans un vrai match, il nous fume. Sans blague. C'est juste que là, tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, forcément, la moindre erreur, c'est pénalisé. Donc forcément, l'erreur est humaine largement, tu vois. Merci, frérot. Merci, les gars. Merci beaucoup. Les gars, avant le niveau 10, déjà un récap des points. Est-ce que tout est possible encore et on est à combien? Bouzy, il y a beaucoup d'avance, je crois. Parce que 0, moi j'ai fait au moins 6 ou 7 là. Bouzy, t'es à 15, Zach 25 et toi 37. Ah non, moi c'est mort. Pour toi c'est mort et pour moi faudrait un miracle. Bah c'est possible, attends, si Bouzy il rate 10 fois et toi tu m'évites. Et bah les gars, on va voir ça avec le niveau 10. Déjà, vous avez vu le palmarès du niveau 9, c'est très solide. On a que les niveaux 10 maintenant, c'est parti. Les gars. C'est parti pour le niveau 10, c'est incroyable ce qui se passe. Alors bonjour évidemment, comment tu t'appelles? Thomas Roussel. Thomas Roussel, et comment est-ce qu'on peut te présenter en termes de badminton? Bah j'ai été mon meilleur classement mondial en simple homme, donc en 1 contre 1. Ça a été 36e. Donc j'ai été deux fois quart de finaliste au championnat d'Europe, pas mal de médailles au championnat de France aussi. Puis avec mon club de Chambly dans l'Oise, on est 8 fois champion de France de suite. Ah oui, donc c'est pas le palmarès de fou quoi. Et tu te situes comment là toi maintenant? Tu joues encore? T'as encore un bon niveau? Ça se passe comment? Bah moi du coup maintenant j'aide donc à l'INSEP, au centre national, je suis sparring. Sparring partner, donc ça veut dire que tous les jours j'aide les jeunes, on va dire, à progresser. Bah là, pareil, tu vas faire pareil avec nous là. Tu vas nous faire progresser, nous faire travailler, je pense là. Nous humilier surtout. Ouais, d'ailleurs, en plus, j'ai pu parler avec le numéro 9, notre crack, et il m'a dit que le service que je faisais était un peu trop haut. Donc maintenant, je dois corriger ça parce que je faisais un service comme ça, mais un peu trop haut. Et surtout, on a appris un truc, c'est qu'en fait, vous les pros, vous jouez pas avec les mêmes volants que nous. C'est vraiment des volants avec des plumes et tout. Ouais, c'est des. Donc ça, c'est volant plastique, ouais. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas joué avec ça. C'est vraiment, toi, ça va te faire une diff là? Ah bah complètement. Ouais. C'est beaucoup plus contrôlable, on va dire. Deux fun facts. Quand même sur Thomas, c'est qu'on a appris juste avant, ils étaient dans le même collège avec Bouzy. Même primaire et même collège, à Mour de Bretagne. Ils s'en sont aperçus là en parlant juste avant là, vite fait. Incroyable. C'est fou. Et pareil, tu me disais aussi que tu regardais Zach à l'époque sur Call of et tout. Ouais, carrément. Ouais, je t'ai reconnu tout à l'heure, je me suis dit, mais merde, je le connais d'où? Et ouais, c'est des vidéos sur Call of, ouais. Ouais, c'est une belle fun fact, une belle histoire quoi. Et maintenant, il va nous tabasser, c'est parti. Trop cool. Allez, qui commence? Tu choisis qui? Allez, le breton pour commencer. Allez. Le breton. J'ai 10 points de retard sur lui, faut que tu le démontes. Ouais. Donc là, si Bouzy rate énormément de points, c'est possible pour Zach. Putain. C'est stressant, hein. Les gars, je joue pas contre n'importe qui, là. Ah, ok. Oh. Allez, la Bretagne. Ah ouais, entre Bretons, ok, d'accord. Je te conseillerais de servir court. Ouais, je vais servir court. Mais ouais. bien joué, quand même. Oh. Ouais, et là-dessus, ça peut le faire aussi de temps en temps. C'est qu'il a été solide sur les nerfs. Ah, ça fait plaisir de voir Bouzy un peu en difficulté, tu vois. Ça fait 4 fautes déjà. T'as vu, il a le temps de rader si elle est faute la balle ou pas. Oh oh, oh, c'est cruel. Oh, dommage. Oh, c'est cruel. Oh, dommage. Bouzy, t'as super bien joué le coup, franchement. Ouais, franchement, je me suis battu là, bien joué. Il t'a mis un peu en difficulté. Complètement même. J'étais pas prêt, petit croisé là. Hey, Bouzy, t'as été bon, mec. T'es pas loin. Il est vraiment très chaud. Allez, Bouzy. Allez, le point faible, c'est là-bas. Allez. Ouf. Oh oui. Attends, parce que moi j'ai pas de cardio moi. Oh la vache, il m'emmène là, je fais tout le tour. Belle. Oh. Mais ça se voit, il est gentil en plus. Je suis hyper gentil là. Attention, si je marque un point vite, il y a peut-être moyen de... Oh oui, ça on aime bien ça. J'ai essayé de surprendre. Ah, bien ça. Pas mal. Oui, ça j'aime bien ça. Ça normalement je peux le rattraper ça. Ça va Bouzy? Ouais, ça va ouais. Ah, il était pas mal, ça. Oh! Oui, Bouzy! C'est pour toi! Et là, boum! Oh! Oh, c'est beau! C'est beau, Bouzy! Oh, dommage! Oh! Là, y a... Ça elle touche le sol, je crois qu'elle touche le sol. Oh, dommage! Non, reste avec nous, Bouzy! Est-ce qu'il va nous faire comme Arthur Géa au tennis, le fameux triple 20? Il y a eu au tennis 0 points? Ouais. Oh, bah ouais, bien! Oh! Ah! Et là, il caresse la balle à peine. Hein. T'as déjà fait les JO, Thomas? Non, j'ai été deux fois deuxième. Il n'y a qu'une place. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oh! Oh, il a fait! Bouzy! Bien joué. Attends, c'est le 18e? 17e essai, ouais. 17e, bravo. Ah, c'était beau. Hein. Ah, elle était pas facile, hein, franchement. Hein. C'est quoi, j'y vais, mais du coup, c'est possible pour Zach, là, parce que là, techniquement, Bouzy est devant. Si je marque en moins de 7, je crois que je le rattrape, c'est ça? Et bah, pour le suspense, on garde Zach à la fin. Putain, la vache. Tu peux plus gagner? Ah non, ouais, c'est fini depuis longtemps. Hein. Ouais, depuis le niveau 2, c'est fini, je crois. Allez, bon match. Ah, bah, cool. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu d'ailleurs. Elle bien service. Oh, j'ai cru. Alors qu'elle était tellement dedans. Allez, Lucas, come on.
Ok, cool. La fixation, Lucas, la fixation. Je vais essayer de fixer, ouais. Là, t'es réglementaire. Oh, Lucas, je te fais pas mal. Oh, 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 Lucas, t'as été bon. Oh, quel prod. GG. Lucas, t'as été bon. Je suis presque désolé. Bah non, c'est bien joué. Bah, bravo. Bah, bravo. Bon, Zach, je lui fais pas de cadeau, par contre. Non, 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 non. Pas de cadeau, s'il te plaît. Zach, il doit mettre combien d'essais, là, pour gagner? En moins de 7 essais. S'il en fait 7, ils sont égalité. Quel suspense. C'est parti. C'est parti, allez. Oh, je suis plus chaud du tout. Oh. Allez, Zach, un bon service. Oh, c'est beau. C'était magnifique. Ah, pardon. Non, non, y a pas de pardon, y a pas de pardon. C'est parfait. Il nous promène. Il nous promène comme son hirge. C'est ça, on est en laisse, quoi. Non, mais frère, c'est... J'ai des petits points devant les yeux. Attends, ça a laissé combien, là? Là, c'est le cinquième essai, là. Oh. Oui, beau revers. Allez, gros smash. Oh, j'ai posé là. Oui, oh, dommage. C'est dur à reprendre ce smash, là. On a envie d'y croire, là, plus que deux, là. Oh, dommage. Oh là là, il y a combien là? C'est maintenant que ça joue l'égalité. Je sers pour le 7ème. Je te fais un retour au centre là devant. Oh bah, oh bah, oh bah. Lève lui la balle, lève lui la balle et pars du terrain si tu veux. Oh dommage. Oh dommage. Je sers pour l'égalité là? Non là c'est déjà terminé là. Terminé? Ouais. Bon, c'est pas grave. Pour le beau jeu quoi. Pour le beau jeu. C'est vraiment dommage. Oh quoi que. Oh. C'est beau. Oh dommage. Oh, j'ai un beau retour là, bien amorti. Il peut encore terminer derrière toi. Oh cool. J'adore ce sport en tout cas, qu'est-ce que c'est bien putain. C'est vraiment la morale de cette vidéo, c'est trop cool. Non mais... Je suis plus dedans. Ouais, je suis plus dedans. Ouf. Oh oui. Oh oui. Oh dommage, ah, c'était beau. Elle sortait en plus. Là t'avais la hanne, la de service. Ok. Allez, encore là! Non! Et du coup, le dernier? Dernier! Symboliquement, il serait beau là de le mettre ici. Ah, c'est dur. Je te donne le smash sur le dernier. Oui! C'est un beau point, ça aussi. Oh, oui! Oh, magnifique. Oh dommage. Oh, ça aurait été beau, un petit filet. Ah dommage, bravo. C'était un beau point. Bien joué. Ce mec est imbattable. Bien joué, Zach. Bah c'était dur. Ah c'est dur, mais vraiment quel plaisir de jouer contre ce genre de niveau quoi. De ouf. Oh là là là. Enfin, bravo Thomas. Ah vous m'avez mis quand même. Je suis un peu déçu quand même. Mais en tout cas on se rend compte que c'est. Enfin, on sait qu'en France en tout cas c'est un peu vu comme un sport de plage on va dire. Mais je pense que là dès qu'on joue même 10-15 minutes, parce que vraiment des gros matchs, ça, tu vois des points comme on a fait à la fin là, bah tu fais ça sur une heure quoi. Et donc ouais non ça, franchement c'est un beau sport. Hein. C'est hyper complet. Incroyable. Mais clairement c'est ce qu'on se disait nous là hors caméra et tout, c'est que vraiment genre ça donne envie de jouer quoi. Ouais. Bah déjà merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous les gars. Tu te retrouves où toi Thomas? J'ai un Insta, donc c'est Rouxel Thomas. Et d'ailleurs je vais essayer de développer, moi c'est un peu des séances. Par exemple si vous les gars vous voulez faire une séance individuelle en région parisienne, et ben vous me contactez sur Insta et puis on peut se fixer des rendez-vous pour faire des séances individuelles. Et les gens aussi du coup peuvent le faire? Bah c'est ça, ouais c'est pour tout le monde. Si vous voulez jouer avec le monstre. Bah ouais, si vous voulez des cracks aussi, bah n'hésitez pas, je mets son Insta en description bien sûr. J'ai eu mon diplôme d'entraîneur cette année, okay. Donc c'est un peu le but quoi de transmettre on va dire maintenant tout ce que je connais. Et bah merci beaucoup Thomas en tout cas, merci d'être merci venu. À vous les gars. Ça rigole. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, bah merci Bouzy, merci Zach d'avoir participé avec à plaisir. Cette vidéo. Avec plaisir. Tu veux le classement Lucas? Bah. Ah bien sûr, c'est le classement final, attends. Bah du coup Bouzy 32 et ensuite Lucas 43 et Zach 45. Ah le 20 à la fin il fait mal. Bon ouais, c'est symbolique. Bah oui c'est symbolique, non mais y'a pas de soucis. Moi j'ai passé un bon moment, ça régale. Ah bah ouais. Et bah merci beaucoup les gars, évidemment les chaînes de Zach, de Bouzy en description, bien sûr, allez suivre ce qu'ils font, c'est évidemment très très cool. Ça fait plaisir. Merci bien sûr aussi au lieu, l'UCPA Sport Station, on est ici actuellement pour jouer. Si vous voulez jouer au badminton, bah, n'hésitez pas à venir aussi, bien sûr. Ça régale. Merci bien sûr à tous les joueurs, les 10 niveaux qui ont joué avec nous. C'était franchement trop trop cool. Toujours un but de moment, ouais, c'est trop bien. Merci bien sûr à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner aussi, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ciao, ciao. Merci les gars, ouais. Merci beaucoup. Hein.